Et bonjour Antoine, bonjour les amis, c'est Kaz, bienvenue aux vidéos gameplay, notre let's play que vous connaissez sur Lotros MMORPG gratuit. Bah qui est trop bien en fait. Hein. Vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez me rejoindre, je suis sur le serveur Havernight. Actuellement je suis dans la ville de Brie, voilà, j'ai fait quelques crafts, rappelez-vous à l'épisode dernier, j'ai la possibilité de récupérer, mes bonus de collection, allons-y, XP de vertu, et ça c'est nouveau, j'ai jamais eu ça. Ah si c'est du cuivre, d'accord, que je vends et je gagne un gold, oh stylé, donc je vends ça à n'importe qui, non, si je dis pas de bêtises. Bonjour. Vendre, ouais, et j'ai un gold, oh bah c'est mon premier gold, tiens, oh, c'est mon premier gold, ça se fait, non? Où il est mon argent? B comme argent, un gold, cool. Ok, super. On est actuellement à Brie. Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on continue notre histoire. Rappelez-vous, on a aidé grands pas. Et là, il faut trouver l'agent de l'ordre sous colline. Ah non, je pensais être à Brie. Non, je suis pas à Brie, je suis à Combes. Ah, bah oui, mais j'ai en plus, je vous dis des bêtises. En plus, je vous mens. C'est quand même terrible. faut qu'on aille où alors? L'agent sous colline. Il est où, cet homme-là? Pays de Brie. Épique, volume 1, livre 1. Ok, par l'agent de l'ordre sous colline qui est dans la ville de Combes. C'est parfait, c'est là où je suis. Ça tombe très bien. Livre 1, chapitre 2. À l'aide de l'agent de l'ordre. Ok, on y va. Donc, bienvenue à Combes, au pays de Brie. Alors, Combes, ça a l'air d'être plutôt grand encore, cette ville-là. Alors, il y a un agent de l'ordre, mais c'est pas lui. Sous colline, il est là-bas. Salle d'entraînement, vendeuse de résidence. Ok, Bard, il y a un autre joueur, Orimu Ramahamamoa, dur à dire. Un malgache peut-être. Ah bonjour, puis-je vous aider? Vous dites que les brigands du bateau noir ont été vaincus et se sont dispersés, c'est une bonne nouvelle pour Combes. Eh bien, je suppose que vous avez raison, je devrais m'assurer que ces brigands du bateau noir ne se cachent pas encore dans leur grotte. Mais j'ai besoin d'aide, parlez à l'agent sous colline. Vas-y, vas-y, je suis là. Je vous salue. Je suis prêt, voyager. Donc apparemment... Je vais être TP encore dans une zone. Le tir a mis les brigands du plateau noir en déroute, mais une partie du mystère reste à résoudre. Ok, ça marche, mon grand. Parlez à l'agent de l'ordre sous colline. Oh, cet endroit silencieux comme une tombe. J'aimerais qu'on puisse repartir, mais il faudra sans doute qu'on en fasse un peu plus que ça. Défendez l'agent de l'ordre sous colline. Allez, mon gars. Prudence. À présent, on ne sait pas ce qui nous attend. Je te suis. C'est niveau 15, hein. Je suis dans la grotte des bandits. Une instance. Il y a des espèces de... Libre que des cavernes. C'est la première fois que je vois ce mob ignoble. Oups, si je me soigne au lieu de taper, ça va pas le faire. C'est pas bon ça comme bête. Ok. C'est une espèce de mouche en fait, de fourmi, non? D'arachno-fourmi bizarre, ouais, c'est étonnant comme bestiole. Enfin, bref. J'en ai vu des trucs dégueulasses dans le jeu, mais là... On tient le pompon. Alors mon gars, c'est parti? Attendez un peu, j'ai la clé. Bah oui, j'ai bien vu. Alors si on va taper contre des... fourmis pendant, pendant 15 minutes... Bon, pour l'instant tout se passe bien. Avec le PNJ, on s'en sort. Il a l'air plutôt costaud en plus, monsieur sous colline. Tant mieux. Je vais quand même qu'il y a un petit heal. D'être bien, voilà, libriqueux, c'est dur à dire, quelle horrible affaire, ouais c'est pas ouf, hein. Prouesse octroyée, éliminer des libriqueux, ouais c'est cool, je prends tout, on y va mon gars, continuons, viens sous colline, on y va, on est bien tous les deux, alors est-ce qu'on va un jour tomber sur des, bandits ou il y a que des libriqueux? Libre queue implacable, toujours. Ouais, ça va plus vite hein, quand on est tous les deux sur le même. Effectivement, mon petit agent de l'ordre sous colline. C'est les CRS. C'est les CRS Hobbit. Ok. Avançons, mon gars. Hop là. Ah. Ça, c'est des brigands. Des brigands qui sont morts, ça. Ouh. On a bien on va tomber sur une grosse bête. Je pense qu'il y a clairement moyen qu'on tombe sur une bête plus grosse que ce qu'on imagine. Mmh. Un mal ancestral. Nous verrons bien.
Allez, je suis passé avec tout ça niveau 14, ça fait plaisir. Vous avez qui la compétence grâce vivifiante, 200 points destinés. Qu'est-ce que c'est que ça, grâce vivifiante, nouveau? Alors, tactique, portée 30 mètres. Cible non valide. Ressuscite un allié vaincu. Ah, c'est un raise. Pratique. Ok, j'ai un raise avec moi. Et bon, on va le mettre par là. Ok, j'ai un raise avec moi, c'est cool. Allons, on s'en sort. Il faut regarder s'il n'y a pas des points à mettre aussi. Ok. Ah, je suis concentré, là je suis en mode tryharder, les gars, vous êtes pas prêts. Niveau 14, ça fait plaisir. Les nibriques. Ah, il y a du monde là-bas, regardez. Sentinelle, la main blanche. Où il se passe des trucs là-bas. Par contre, mon petit agent sous colline va faire rien de ta vie, tranquillement. Alors, t'as vu ce qui se passe là? Continuons à me dire ce n'était que le début. Chut, je vois quelque chose devant nous. Moi aussi je vois. Scorgrim. Oh, il est pas beau. Ah bah c'est le nain. Horrible, la main blanche ne veut pas de vous. Attendons ici, on va voir ce qui se passe. C'est votre dernière chance. Prêtez une fois encore serment d'allégeance à l'Amgar. Jamais. Alors, mourrez. Seigneur, les intrus. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Occupez-vous d'eux. Ok. Ok. Donc effectivement, il y a le nain possédé là. Qui fait du bordel. Et bah c'est la merde. Ils font pas mal là quand même les pépères. Hein. Va falloir se calmer. Les gars là. Ah, petit coup de latence sur le serveur. Ça arrive de temps à autre. Chef du plateau noir, parle au brigand. Vous n'auriez pas pu arriver un poil plus tôt, hein. Donc ce nain commence à me taper dessus. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ouais, bah il est mort de ses blessures. Cet homme est mort de ses blessures. Voyons, petit sous-colline. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont il a pu s'enfuir. Alors on ne risque pas de pouvoir le suivre. On dirait bien que cet étrange nain a réussi à s'enfuir. Ok, c'est terminé. D'accord. Donc, effectivement... Les rôdeurs qui gardaient autrefois les limites de la comté se sont dispersés ou ont été tués. Frodon a quitté la comté, mais de grands dangers l'attendent après. J'ai pris trop de retard. Quelqu'un doit le trouver avant les Nazgûl. C'est marrant les Nazgûl qui donnent des coups de couteau dans les lits, là. C'est quoi le principe? Y'a personne dedans? Alors, bah ça c'est fait. Cool. Cool. Parlez à l'agent de l'ordre sous colline. Eh ben, on continue, mon petit sous colline. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on devient? Bien joué, vraiment bien joué. Vous avez flanqué une bonne leçon. C'est l'ascar du plateau noir. Ouais, je sais. Un nouveau pantalon. Ah, cool, il est mieux que le mien. Bon, que faites-vous encore ici? Ces brigands du plateau noir sont partis et certainement pour de bon. Cet étrange nain est peut-être encore dans le coin, mais je parie qu'il est parti dans un endroit plus intéressant. Vous voudriez aller voir en informer grand pas à bruit. Ok, ça marche. Ah, bah, je suis automatiquement TP. C'est de mieux en mieux. C'est nouveau ça, hein, les quêtes qui me TP directement aux endroits importants. Alors c'est bien beau. Oups là, je suis cassé la gueule. Allons voir grand pas, récupérer quand même mes loot. Est-ce que j'ai pas fait attention si j'avais des points à mettre moi en fait? Points disponibles 0. Et là je suis en cours de d'upgrade. Attendez, on va faire ça bien. Ah, ça se faisait pour acheter, là j'ai compris. Alors, intelligence, vertu, de grade 2, finesse critique, maîtrise physique, maîtrise tactique. Ok. Charité. Charité, compassion. Oh, je sais jamais, je trouve ça un peu compliqué cette histoire en fait. Moi je trouve ça un peu compliqué ce bordel. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien, mais c'est compliqué. J'aime bien, mais c'est pas simple. Voilà. Ok. Alors allons trouver Grandpa, qui est normalement à la taverne du pot
bonnet fringant, il a sa chambre à lui. Rappelons-nous. Il me semble que c'est par ici. Sudron grincheux. C'est vrai qu'il a l'air grincheux, le monsieur. Ah, je me paume à chaque fois là-dedans. Clairement, je me paume dans ce... dans cette auberge du poney fringant. C'est pas là. Je crois qu'il y a la chambre de Gandalf. Et la chambre de Grandpa. C'est pas là. Chambre de Grandpa. Oh, voilà, comment vous allez vous y retrouver là-dedans? Alors mon gars, vous venez à point, il s'est passé tant de choses depuis votre départ, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour vous les raconter. Les nouvelles que vous m'avez apportées sont très utiles à mes hommes. Pendant votre absence, ces mêmes Nazgûl que vous avez vus avec Amdir ont attaqué le poney fringant. Ah. J'ai besoin de votre aide. Même si vous et moi avons vu 5 Nazgûl, ils sont en fait 9. Avant de quitter Brie, je dois savoir où se cachent les 4 autres. Parlez à Langlin. Ok. Alors... on est toujours sur une quête de niveau 15. Et ça va aller vite. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite quête vite fait de mon niveau? Histoire un petit peu de ne pas trop avancer trop vite. Et de profiter un petit peu du pays de Brie. J'ai des choses à faire, notamment des tortues, me semble-t-il, à récupérer sur la rive nord du lac de Bonne-Prise. Alors attention. Lac de Bonne-Prise. Je me demande si c'est pas ça. On va regarder. Tortue dans la soupe. Hop, c'est bien ça. Allons au lac. Ça nous fera une petite promenade. Alors, j'ai pris mon cheval. On va sortir de Brie par le sud. Non. Par l'ouest, là. Par l'ouest, et puis on va prendre la route qui descend. Direction, les amis... le lac de machin truc, le lac de Bonne Prise. Avec un nom comme ça, on ne peut que ramasser des poissons. Alors, pour rappel, si on trouve du cuivre, faut absolument le ramasser. Parce que j'ai transformé tout mon cuivre en bronze et du coup, bah, j'ai plus de cuivre. Et j'en ai besoin de mon cuivre. Direction donc ici, cette route-là, le lac de Bonne Prise. Alors, lac de Bonne Prise, me voilà. Qu'est-ce qu'on ramasse sur le chemin? Ah, il y a du fer, il y a de l'argent, mais ça manque un peu de cuivre. Dommage. Allons voir si on peut pas pêcher aussi, tant qu'à faire, là. Sur la zone du lac. Ok, ce sera un moment sur notre gauche. Ouvrons les yeux. Qu'est-ce qu'on trouve ici comme bestiole? On est pas mal. Ils sont niveau 15, les mobs. Donc, c'est tout à fait mon niveau. Je vais commencer à... aller tranquillement vers la gauche. Et le lac est... en fait, le lac est droit devant. Qu'est-ce qu'on a autour de la ville, là, de Brie? Ce sont des espèces de douves asséchées. Ça ressemble à des douves asséchées. Ouais, c'est stylé. J'aime beaucoup. Et le lac est en face. Ah, cool. Cool. C'est des bruits de la ville que j'entends, donc ça fait des... gling-gling. C'est étonnant comme concept. Alors, le lac. Ah, il y a des nimbres queues ici. D'accord. Framboise. Alors... nibre queue des marais. Ah, regardez, c'est ça. Attrapeuse de tortues. Il y a une dame qui a... d'accord. Par ici, la route des tortues. Tortue. Bonjour, madame. Tortue, je vais vous attraper. Ok, d'accord. Et comment j'attrape une tortue, moi? Ah, tout simplement comme ça, avec les mains. Oh, facile. Ah oui, c'est nul. Enfin, c'est nul. Non, c'est pas nul. Mais c'est facile. Puis en plus, elle crie. Ah, moi je m'attendais à un truc un petit peu ardos, des combats, ramasser de la bisque, de tortues, tout le bazar. Non, c'est une simplicité absolue. Donc je collecte mes tortues, ok. On va essayer de pêcher un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. J'ai tout ce qu'il faut? Ah bah j'ai tout ce qu'il faut, très bien. Essayons de pêcher un instant à côté de la dame. Alors pêche. Oui. Alors déjà il faut que je m'équipe de mon truc de... voilà. Je m'équipe de ma canne à pêche. Et c'est parti. Et qu'est-ce qu'on peut pêcher là-dedans? Ah, un des rares moyens pour un hobbit de passer la journée à somnoler au soleil, tout en ayant de bonnes chances d'attraper à manger. J'adore ce truc. J'adore la pêche. Ah, j'ai sorti ma monture comme un con. Oh, quel idiot. Ah, mais j'ai pêché en même temps. Ça a fonctionné. Ah, oh, je peux peut-être même... ah non.
J'ai réussi à casser le jeu. C'est-à-dire j'ai réussi à pêcher un verron tout en faisant pop ma monture. Étonnant. Petit poisson argenté. J'en suis où d'ailleurs dans ma pêche? Loisir. 3 sur 200. Ah bah je sais pas, effectivement. Effectivement, c'est pas ouf. Est-ce que je gagne un point dès que j'ai un poisson? Enfin, j'ai pas fait attention, on va regarder ça. Donc là, je suis à 3 sur 200. On va regarder dans le chat si le jeu me dit « Ouais, t'as gagné plus un point. » Ah d'accord, votre compétence en pêche a augmenté et est passée à 4. Et c'est pas automatique, parce que quand j'ai eu mon verron, ça ne l'a pas fait. Donc ça doit peut-être dépendre du nombre de poissons, de la qualité du poisson. Allez, un dernier pour la route. Et on retourne voir Sigmandragore à Brie. On peut peut-être passer par le sud cette fois-ci. Ok, bon, je suis passé à 5. Super. Allons voir s'il y a une porte. Il me semble que je dois avoir une porte au sud de Brie. Qui permettra de retrouver Sid Mandragore. Pour qu'il prépare la fameuse soupe de tortue. Alors attention. Pétiole de rhubarbe. Ça c'est cool. Dépôt de fer de Galgas. Allez hop, ça je rabasse. C'est très important pour moi. Pour mon métier. Pour ma prospection. Pour avancer. Est-ce qu'on a un endroit avec un pont? Pas forcément, j'ai même pas l'impression qu'il y a besoin d'un pont ici. Là, il y a un petit campement. Avec une bannière. Oula, ça ressemble à du PVP. Non, c'est quoi ça? Escarmouche. Waouh, échange de monnaie. Weapon. Comment puis-je vous aider? Des médaillons. Ce médaillon représente vos triomphes. Ils peuvent être échangés au camp d'escarmouche. Ok, cool. Objet légendaire, médium armour, capitaine d'escarmouche. Gérer vos traits. Comment puis-je vous devez terminer l'électricité des escarmouches. Rendez-vous dans l'un des camps situés un peu partout en terre de milieu et parlez au capitaine d'escarmouche. C'est lui-même. Qu'est-ce qu'il vous faut? Pour bénéficier d'un entraînement adéquat. Vous trouvez ces camps d'escarmouches dans les. Normalement. Objet changeable. Peut-être le mentor. Comment puis-je vous aider? Bon, apparemment, on peut faire un didacticiel d'escarmouche. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas tout compris. J'ai pas trop envie de. Je m'y attarder pour le moment. Mais. En fait, tu peux pas faire du PVP comme ça, quoi. J'ai l'impression qu'il faut faire un didacticiel, tout le bazar. Oh, il y a du monde ici. Danti, Garda, Tienon, Severandir. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu, j'adore quand il y a du monde. Ça me reste... Ouh, attendez. Coffre. Important. C'est pas ça. C'est pas la salle des ventes. Attendez. C'est 3 étoiles, normalement. Ça. Pas ça. Si. Je sais plus. Ah, pourtant, j'ai passé devant il n'y a pas longtemps. Coffre, boîte de réception. Ça, c'est vraiment le commissaire-priseur. Bien le bonjour. Ok. Les enchères. Bon, ça, on va pas s'y attarder. Ici, gardienne des coffres. C'est ça que je cherche. Donc, ici, je devrais pouvoir stocker mes trucs. Bonjour, mon cher Rascalpio. Regardez ce que propose la boutique. Bonjour. Un sac de pièces d'argent. Ah oui, je peux échanger mes cuivres. Oh. Ah non, c'est l'inverse, c'est pour échanger un sac rempli d'argent. D'accord, j'ai compris, c'est pour downgrade en gros. Bonjour. C'est pour downgrade en gros mon. Qu'est-ce qu'il vous faut? Mon truc là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? La garde-robe. On s'en fout. Le dépôt de rangement. Comment puis-je vous aider? Oh la vache, je comprends pas tout en fait. Le dépôt de rangement de... Je sais pas quoi. Ah, de maison peut-être. Ouvrir le stockage partagé. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors est-ce que ça c'est partagé, tous ces trucs-là? Non, c'est lié à Casa Hobbit, donc non. Ouvrez votre coffre, ok. Que puis-je faire pour vous? D'accord, fil de teinture, salut... Ok, mais bah écoutez, je peux mettre dans tout ce que je veux. Alors j'ai coffre principal. Dans coffre 10, je vais mettre mes trucs un peu à la con. De ce type. Feu d'artifice, tarte, vous voyez tous les trucs, les tokens un peu rigolos, là, les vanity drôles. Tout ça, ça se vend. Ah, je fais ça bien, les amis. Ah, faut que j'équipe quand même, voilà, de mon épée. Parce que la canne à pêche, c'est rigolo 5 minutes. Alors, ça c'est fait. En 10. Ok. Attendez, je gère mon truc. Je gère mon truc bien, c'est important. Parce qu'après on est paumé. J'aime faire un truc à fiole en 9. En teinture, je veux dire. Teinture.
teinture. En 8, je vais mettre mes tokens. Ça, c'est un token. Salut tes jetons. Vas-y, mets ça en 8, mon gars. Une erreur générale. Mais non, pas d'erreur, c'est bon, ça marche. En 16, je vais mettre tous les bonus à utiliser. Tous les bonus à utiliser. Ça, c'est un truc à ouvrir. Cité de maison premium. Waouh, 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 waouh. Wow. Bon, tous les trucs à utiliser là qui donnent des bonus à la con. Ça, c'est un truc de quête que je vais conserver. Ah, je fais ça bien. Je vous l'ai dit, je fais ça bien. Ça, j'en ai besoin. C'est mes cadeaux que j'ouvre tous les 15 niveaux là. Et ensuite, j'ai des espèces de titres de maison. Ok. Et j'ai un truc à ouvrir ici. Ok, super. Voilà. Ah, on y voit tout de même plus clair dans ce coffre. Dans ce sac. Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Alors, allons trouver notre ami. Sid. Non, c'est pas Sid. Si, c'est Sid. Eh, Sig. Oh, c'est pareil. Sig Mandragore. Tortue dans la soupe. Ok. C'est... Hop, hop. Hop, hop. J'ai vraiment du mal à me repérer sur cette map. Vraiment. Parce qu'il te traque pas toujours la même quête. J'ai du mal à faire apparaître le tracking sur la quête correspondante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas ça super... super... facile. De savoir où tu vas, qui c'est que tu vois, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment, avec qui. Mais bon, c'est un coup de main à prendre, hein, c'est comme tous les jeux. Mais là, je chipote. Vraiment, je chipote. Alors, les annonces placardées, c'était les annonces de Sig. Et donc, c'est plus loin, Sig qui habite. Hop, sur notre droite, et à un moment sur la gauche, en face de l'espèce de petite place. Ici. Et lui, il habite là. Sig, Mandragore, c'est lui. On y va. Alors, mon gars, qu'est-ce qui va me permettre de gagner? Une recette, peut-être, non? Sig, mon ami. Ça ira, Kazabit. J'attends que d'autres personnes m'apportent des tortues. C'est une très grosse commande de soupe. C'est un miracle qu'on puisse encore trouver des tortues. Restez un peu. Vous avez fait du bon travail là-bas, Kazabit. Vous avez été plus efficace que ce soi-disant aventurier. Peut-être pourriez-vous m'aider pour autre chose. Qu'est-ce qu'il veut? Parler à Grobo Chamou. Allez au village de Stadel et demandez à Grobo Chamou si vous pouvez récupérer des tortues de son neveu. Trouvez pour moi. Ok. Ça, je peux faire. Bon, bah, écoutez, les amis, pas mal tout ça. On avance tranquillement. J'ai passé le niveau 14, ça fait plaisir. On continue dans le livre et les chapitres. Là, je suis au livre 1, chapitre 5. Et bah, ça fait plaisir. On est bien. On est sur l'outro. On est sur un jeu gratuit. Un MMO fort sympathique que je vous conseille, bien évidemment, fortement. N'hésitez pas à réagir en commentaire à cette vidéo. Je vous mets les liens en description. Serveur Evernight, si ça vous intéresse. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye tout le monde, c'était Kaz.